Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Produit terminé. C'est une vidéo que j'adore tourner encore une fois, que j'adore regarder. On s'en lasse jamais. Enfin, c'est mon avis, je m'en lasse jamais. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura beaucoup de gains prochainement. Déjà, il y aura le concours des 1000 abonnés. C'est vrai que j'ai mis du temps à le préparer parce que j'étais pas très en forme. Mais là, ça va, j'ai la pêche, je suis prête là. Et il va y avoir le concours, peut-être un calendrier de l'Avent. Je dis ça, je dis rien. Donc, allez-y, abonnez-vous, vous n'allez pas regretter. Alors oui, je brille de mi-feu parce que j'ai fait un fixateur révolution et il paraît qu'il y a des paillettes dedans. Et ce qui est plus drôle, c'est que je suis partie déposer mon fils ce matin à l'école avec toutes ces paillettes et les gens m'ont regardé. Ils doivent se dire qu'est-ce qu'elle a, celle-là. Enfin bref, on ferme la parenthèse, on commence tout de suite et prenez une boisson parce que j'en ai beaucoup trop. On commence par le traitement collagène. Donc, c'est les petits sticks de collagène que je prends quotidiennement. Donc, c'est en poudre soluble. Vous pouvez le boire avec de l'eau ou bien l'ajouter à une petite recette de mousse, de cake. En tout cas, il faut prendre votre collagène si vous avez. Allez, on va dire la trentaine, je vous conseille fortement de prendre un traitement de collagène. Et celui de New Skin, c'est le plus concentré en peptides de collagène sur le marché. Vous pouvez je peux vous mettre le lien. Je suis distributrice New Skin, mais avant tout, je suis cliente et j'en suis très, très, très satisfaite. Et on voit bien la différence quand on est assidu. On passe. Alors, il va y avoir des choses de l'Institut. Maintenant, il y a du consommable à l'Institut et je vais pas vous les montrer peut-être à chaque fois, mais si ça vaut le coup que ça passe. Maintenant, on utilise les lingettes désinfectantes Aseptonet. Donc, c'est pour nettoyer la surface, les outils et tout ça à chaque passage de client. Je trouve ça très pratique. Par contre, des fois, ça coince. On est obligé d'ouvrir. Voilà. Bon, Aseptonet, je pense que c'est les moins chers. On est en train de voir une autre marque pour voir si ça fait la même chose ou pas. En tout cas, très pratique, les lingettes désinfectantes sous ce format-là. Vous pouvez les retrouver sur Amazon également. J'ai terminé. Enfin, je vois un petit fond là, mais il bouge plus, il a viré. Ça fait longtemps que je l'ai. Il a passé l'été avec moi, ce shampoing illuminant à l'extrait de camomille. Moi, j'adore les shampoings illuminants en été. Ça me donne plus de reflets soleil. Et j'ai beaucoup aimé lui de Timothée avec 95% d'origine naturelle pour cheveux blancs. Mais bon. Voilà, j'ai quelques reflets, donc je me suis permise et justement, ça rend les petits reflets encore plus beaux et on me demandait à chaque fois si j'ai refait ma coloration alors que non, j'utilisais juste ce shampoing-là, Timothée, et je l'ai eu à Action, je crois. Donc très bien, ils sont très bons, il est très sensoriel également, ils ont les cheveux doux, rien à dire. J'aime trop ce shampoing, si je le retrouve, je le rachèterai. Alors, j'ai terminé. Je l'ai eu dans une box gel intime réconfortant, j'ai pas du tout aimé. Mel Cerise & Co, je pense dans une beautiful box. Rien à dire sur la compo, c'est très clean, Cosmos Organique et tout, mais j'ai pas aimé le produit en lui-même. Il est très liquide et j'ai pas aimé. Tout simplement, c'était pas. Voilà, on avait compris. J'ai terminé. Le dentifrice anti-plaque. C'est plus une pâte, la texture, que dentifrice normal. Vous voyez comment.
Donc c'est une pâte gingivale, on va dire, au fluor, c'est anti-plaque pour les personnes qui ont les plaques de calcaire qui se, comment dire, qui se forment très rapidement. C'est mon cas et c'est génétique il paraît. Donc ça me convient très très bien. Je l'alterne avec l'autre version pour blancheur. Donc ça je rachète bien sûr à chaque fois. Attendez, en termes de déo, il y en a des déos. J'ai terminé le musc, je vous en parle, je vous ai en parlé de ça souvent. C'est la version musc de Rexona. J'adore, j'adore cette odeur après la douche, c'est vraiment, j'adore chiter partout. Dans la maison, en tout cas. En tout cas, c'est passe-partout cette Rexona version musc, je l'aime trop et je la rachète à chaque fois. J'ai terminé également pure. Je sais pas, je suis dans les délires des déos maintenant. Et oui, oui, ça me vient. C'est très, très. Ça sent très, très bon. Pure efficacité. C'est efficace aussi. Et ouais, pourquoi pas la racheter. En tout cas, l'odeur me revient et c'est très bon. Ça date de l'été, je pense. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Alors, lui, il est rempli. Mais je m'en débarrasse parce qu'il pue. En tout cas, pour moi, ça pue. Ah ouais. Ça pue. C'est la version pain et boule de neige. Non, 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 non. On a l'impression que ça pue quand on le fait. Et du coup, ça sent pas bon du tout. Et on s'en sépare. Voilà, j'ai terminé. Merci ma Tiffany d'amour, j'ai terminé cette eau exaltante parfumante. Rêve de thé de Nuxe Body. Ça sent trop bon, ça sent trop frais. Pareil, après la douche, j'aime trop ce parfum-là ou bien cette eau. Et je compte vraiment la racheter. Eau exaltante version rêve de thé de Nuxe. Excellent produit. Merci Tiffany, je l'ai eu dans le swap avec Tiffany l'année dernière, je vous mettrai en le petit i la vidéo, allez la voir, allez voir ma vidéo, ce que je lui ai offert, c'était trop sympa, ça fait déjà un an qu'on a fait ce swap. Donc il reste un fond mais ça restera pas pour l'année prochaine, c'est après soleil de la marque Respire, je rachèterai l'année prochaine. J'ai beaucoup aimé, vraiment un top. Voyez-vous, il y a des produits d'été. Alors, j'ai pas réussi à le finir, mais il a viré entre temps. C'est La Vie est Belle, lait de parfum nutritif. Voilà, il s'est décomposé le truc, mais ça sent extrêmement bon. Il était dans mon sac, je pense qu'il a vécu l'été. Je l'ai oublié dans mon sac et voilà ce qui s'est passé. Mais dommage parce qu'il sentait extrêmement bon. Je l'adorais. Dommage. Dommage fromage. Alors, j'ai terminé. Oui, j'ai fini par le terminer quand même. Cette CC crème à la Sandella Asiatica de la marque Herborion. Et c'est la version dorée et c'est nul. Je déteste cette version. C'est trop foncé. Même en été, c'est trop foncé pour moi. C'est beaucoup trop foncé, je trouve, et ça se déplace. On sent la matière. J'aime pas trop. J'aime pas du tout, même. Petite bougie Yankee Candle. C'est la version Mango Peach Salsa. Ça sent extrêmement bon. C'est les petites miniatures, vous savez. Et ça sent extrêmement bon. Même sans l'allumer et toute la pièce, il y a toute la pièce qui est envahie par l'odeur de cette bougie. Ça sent tellement bon, la pêche, la mangue, ce mélange fruité. Pourtant, je ne suis pas très odeur fruitée, surtout mangue. Mais la combinaison de tout ça donne une atmosphère extraordinaire. Et je pense que je vais prendre le plus grand format en mangue et pêche. Extrêmement bon. Qu'est-ce que j'ai comme
un produit qui date des débuts de ma chaîne avec le swap que j'ai reçu dans le swap avec Jenny. Oui, c'est. J'arrive à peine à le finir. Ce format-là de 400 ml de gel douche, on sait tout ce que c'est. Dur de les finir, mais c'était vraiment un plaisir pas possible. Cette odeur de néroli, de jasmin, ça me rappelle le bled. Ça sent extrêmement bon et c'est du petit prix. Donc, c'est la marque s'appelle Love Beauty and Planet. C'est vegan et comme je vous ai dit, c'est la version aurore et éclatante, huile de néroli et jasmin blanc. Ça sent trop bon quoi. Ça sent trop bon la Méditerranée. Je vais le racheter. Je suis sûre que je vais le racheter parce que ça sent trop bon. Merci Jenny. Encore reçu de la part de Jenny, je sais plus quand. Alors là, je sais plus quand. Mais j'ai reçu un petit kit de la marque Sanctuary. Excuse my pronunciation. Spa, c'est body wash. Ça sent très bon également. Je l'ai terminé. J'ai encore le pchit. C'est un 75 ml, il partait avec moi en voyage et c'était un pur plaisir. Peut-être que je rachèterai, pourquoi pas. Merci Jenny. Alors là, rien à voir, j'ai fini ce Gerlinéa repos mince. J'ai eu cette période de voilà, j'ai fait une commande de 70 euros avec tous ces trucs là. Des biscuits Björk. Enfin bref, il y a eu des flops et des tops. Ça c'est un top. Donc c'est un substitut de repas Gerlinéa poudre. Ça sentait le goût de fraise. Donc vous mettez 2 cuillères, vous rajoutez de l'eau. C'est trop bon, j'adore ça. Et des fois je rajoute un peu de la poudre New Skin. Pareil, protéiné en chocolat. Je fais des mélanges chocolat, vanille. Je m'amusais avec ça. Et j'ai encore une boîte en backup. Donc ça, trop bon, je rachèterai. Donc ça vous fait 15 repas, 15 substituts de repas. Donc trop bien. J'ai terminé cette bougie, vous l'avez reconnue. C'est la Airwick linge blanc classique. Je rachète à chaque fois que je passe à Action. Ça brûle très très bien. Voilà. Et ça sent extrêmement bon. Le propre. Voilà, j'ai terminé. Je pense que vous l'avez déjà vu dans mes vidéos produits terminés. Ce gommage végétal corde chez Yves Rocher à l'abricot. Il est 100% grains végétaux. J'aime trop ce gommage, je le rachète à chaque fois. C'est un top des produits Yves Rocher. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas passé de commande Yves Rocher. Je me retiens. Je sais pas si mon petit cadeau d'anniversaire est encore dispo ou pas. J'y penserai. Parce que ça, il faut pas le rater. Voilà. On a terminé ce petit produit soin apaisant après piqûre de moustique. J'ai reçu dans une box de la marque Aquatéal. Et franchement, il y avait un petit effet quand même apaisant. Hein. Il est sous forme de gel comme ça et encore une goutte. Ouh. Oui. Oui, après le racheter, je sais pas trop. Mais sur le coup, c'était pas mal. Build the Flop pour mon mari, c'est déo de chez Action, une marque inconnue. C'est nul de chez nul. Il fait rien du tout. Ne l'achetez pas. Alors, vous l'avez vu peut-être dans ma dernière vidéo, les patchs, ces patchs-là, patch Beauty Pro au rétinol. Donc, c'est des patchs pour les yeux, pardon, que j'ai reçu de la part de Jenny, encore une fois, dans son petit colis surprise à l'occasion de mon anniversaire. Écoutez, l'effet instantané n'est pas mal du tout. Après, sur le long terme,
Je sais pas trop. C'était agréable à tester. Après, sans plus, quoi. Voilà. Je vous raconte pas le bazar à côté. C'est juste... Alors... encore la marque Yves Rocher, ce masque réparateur. J'aime bien ces petits formats pour le voyage, c'est très pratique. Ça se glisse dans la trousse facilement. Masque baume 2 en 1, cheveux abîmés, damaged hair. C'était pas mal comme masque. Je m'en souviens, oui, c'était pas mal. Il rendait les cheveux lisses, il faisait l'affaire. Je pense que je l'ai eu en... gratuité, je sais plus, en tout cas très sympa, je rachèterai ou bien je glisse des petites choses comme ça toujours dans mon panier Yves Rocher parce que c'est pratique quand on part en voyage. Voilà, petite pose make-up terminée à l'Institut des Gelées. Il est deg de la marque Mode 11, un top coat. Oui, je vous ai dit, vous allez avoir des produits. C'est parmi mes favoris pour les poses de semi-permanent. La texture, elle est top. La base et le top coat de cette gamme, c'est des petits prix. Ils font bien l'affaire et ils sont de bonne qualité. En plus, je pense que j'ai, d'après mes souvenirs, un petit code de promo Mode 11. Je ne sais pas, je vais vérifier. Je pense que si. Et je les recommande à chaque fois. Maintenant, il y a des versions professionnelles qui sont de... Lui, il est de 10 ml. Non, mais il y a plus gros en 15 ml pour les professionnels. C'est plus pratique. J'ai terminé ce petit fixateur MAC. Je pense que je l'ai eu de la part de Ginny dans un petit coffret. Oui. Je sais plus. J'ai un petit souvenir comme ça. En tout cas, c'est excellent. Pareil. Je pense que c'est les meilleurs fixateurs du marché en ce moment. Il est excellent. J'en ai déjà acheté le format full size. Quoi d'autre? La marque Diazel, mon mari a terminé ce petit échantillon de là. C'est quoi? Aux toilettes pour hommes, il n'y a pas le nom, c'est Diazel Sound of the Brave. Sound of the Brave, je pense que c'est la bouteille qui fait comme ça. N'importe quoi. Et il a beaucoup aimé, donc c'est parti très très vite. Alors, make-up, break-up. J'ai terminé, c'est un big top et je vais chercher à le racheter de la marque Essence Skin Loving Sensitive Concealer. Je l'ai acheté en Italie. C'est pris dans une vitesse. J'ai juste vérifié la teinte après. Voilà, apparemment c'est un très. C'est la première fois que je lis cette phrase. Mais c'est vrai qu'il est couvrant et il paraît qu'il y a de l'aloe vera dedans. No additional oils. En tout cas, il est très bien, il fait très bien l'affaire. C'est un petit. Petit prix de la marque Essence et Skin Loving Sensitive Concealer. Je le rachèterai, je l'ai dans la teinte. Je sais même plus c'est quoi cette teinte. Non! Par contre, là, c'est un drame. Comment je vais retrouver la teinte? Oh, je suis dégoûtée. La teinte s'est effacée. Apparemment, c'est sur le ticket. Mais c'est dingue quand même qu'on ne met pas de la teinte ici ou ici. Bon, dégoûté parce que je retrouve plus ma teinte. Génial. Mais je rachèterai très bon concealer. Petit prix. J'ai terminé un rouge à lèvres. Je pense que c'est la première fois que je fais un rouge. Mais lui, mais il date. C'est le Color Rich de chez L'Oréal. J'adore cette gamme. Elle est très, très hydratante. J'aime beaucoup cette gamme. Et la couleur est comme ceci. C'est un... vieux rose, ça glisse, ça hydrate les lèvres, j'aime beaucoup. Et quoi dire d'autre? Yes, l'odeur, je suis très sensible à l'odeur également, mais regardez comment ça glisse. J'aime trop ce rouge à lèvres, c'est la teinte 630, j'arrive à peine à lire. C'est quelque chose à nu, douce à nu, beige à nu.
Beige à nu. C'est un beige rosé. Excellent, excellent. Pareil, petit prix là. C'est une merveille. Je dois le garder pour le racheter. Et pour clôturer le bal, un des best of the best of the best of the best. Franchement, c'est mon favori depuis que je l'ai. Novembre, je l'ai eu à mon anniversaire novembre dernier. Il est encore en vie. C'est le mascara Lash & Clash de Yves Saint Laurent. C'est le meilleur mascara que j'ai pu tester en ma life. Effet fossile garanti. Si vous aimez les mascaras effet fossile, ça brosse très bien, ça courbe, ça met de l'intensité. J'adore, j'adore, et je suis en PLS parce que il est terminé et il faut que je le rachète. Faut que je le rachète, je pense. Ouais, j'attendrai une bonne occasion pour le racheter. Mais il est excellent. Mais attention, quand vous l'achetez, vous devez avoir un bon démaquillant et idéalement une huile ou bien une huile démaquillante pour les yeux parce que pour l'enlever, bonne chance. Voilà, Lash & Clash mascara, excellent. Il y a une référence, je vous la mets quand même. C'est la 62W504, mais c'est la noire en fait, la version noire. Excellent mascara, c'est dans mes favoris de tous les temps ce mascara. Il est génial, génial, génial et il vaut son prix. Franchement, c'est le best mascara que j'ai pu tester à ce jour. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à mettre les petites émojis rouges à lèvres. Comme ça, je reconnaîtrai les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Ça me fait trop plaisir de tourner cette vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.